Les Monégasques ont tranché ce soir. Ils ont tranché de façon très nette pour un changement de méthode, pour un changement d'équipe, pour un changement d'état d'esprit au Conseil national. Cela nous oblige encore plus. Ils ont également... cette victoire est une très large victoire et nous sommes pleins d'humilité pour que ce soit une victoire pour l'ensemble des Monégasques. Nous pensons aussi à toutes celles et tous ceux qui ont permis cette victoire et nous voulons les remercier. Nous pensons aussi à nos colistiers qui ne sont pas avec nous ce soir et qui ne sont pas élus ce soir et qui ont cette victoire est aussi la leur. Nous pensons également à ceux qui nous ont combattus proprement et honnêtement. C'est leur choix politique et c'est le choix politique des Monégasques. Je les respecte et je demande à ce que dès demain matin, il y ait un mouvement de rassemblement derrière la personne du prince souverain, du gouvernement princier et du futur Conseil national légitime pour les 5 ans qui viennent, de façon à ce que Monaco se remette au travail pour le Conseil national demain matin. Les candidats de la liste Horizon travailleront d'arrache-pied dès la semaine prochaine pour tout le Conseil national dans sa totalité et tous les Monégasques. Je vous remercie beaucoup.